Soccer 3.
Bonsoir à toutes et à tous, ici Cyril Linette. Merseyside Red contre East London. Nous allons vivre ce match en compagnie de Stéphane Guivard. Salut Stéphane et merci d'avoir bien voulu être avec nous ce soir. Tout le plaisir est pour moi, Cyril. Merseyside Red est le choix des bookmakers, Stéphane, mais de peu. C'est vrai, on les voit vainqueurs, mais ils vont devoir batailler ferme. Attention aux erreurs. Espérons que le spectacle sera conforme aux prévisions. Les deux équipes entrent sur le terrain. C'est la photo officielle. Et voici les détails de la composition d'équipe. Et le coup d'envoi est donné. Merseyside Red va s'organiser en 4-4-2. East London jouera avec une formation en 4-4-2. Finement joué. Canute, Joe Cole, Winterburn. Joli contrôle. Trissé. Là, c'est propre. Green. Pierce. Ballon de compte, peut-être. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel ? QL. Numéro 5, Pierce. Numéro 2. Ça semblait bien parti, pourtant. Ballon en profondeur. Bonne frappe. Elle va sans vouloir d'avoir raté ça. J'espère qu'ils vont continuer à nous régaler comme ça. Ah, ça, moi aussi. Bien joué, de la tête. Vont-ils réussir à passer dans l'axe? Il arme et il frappe. Belle interception. Voici une action bien engagée. Et la défense souple. Pression concède un corner. Joli travail qui va leur donner le temps de se replacer. East London. Corner et peut-être une occasion de marquer. Corner à deux. Le cadre se dérobe. C'était bien tenté, mais il a manqué la cible. Eh oui, c'est ça. De la tête. Si c'est. Joe Cole. De faux. Contrôle impeccable. Merseyside Red a bien commencé son match tactiquement, non Stéphane? Pour le moment, ils sont en place. Espérons qu'ils vont quand même prendre un peu plus de risques. Numéro 5. Superbe contrôle. Esqui. Le match a commencé il y a 15 minutes. Il intercepte un beau ballon. Winterburn. Bien dosé. Ça joue bien. En profondeur. Il a fait du bon boulot. Le ballon lui colle au pied. Tacle incisif. Il la contrôle. Attention, il risque le carton. Il a de la chance de n'écoper que d'un avertissement verbal. Oui, la prudence s'impose en effet. Numéro 2. Il garde le ballon. Owen, numéro 5. La tentative, il intercepte le ballon. Ça soulage. Canute, numéro 11. Il semble très très à l'aise. L'arbitre a vu une faute. On joue très long. Lutte aérienne acharnée. Ça pourrait donner une occasion. C'est un tacle correct. Un bon ballon. Oh, quelle erreur. Il garde le ballon et frappe. Belle interception. La tête hors-jeu, tout près de la surface de réparation. Il s'est mis en position de hors-jeu. Dommage. Long, long ballon. Quelle bataille. Canuté. Joko. Dans l'axe. Il joue en profondeur. Il y a danger, c'est clair. Sinclair. Merseyside Red maîtrise bien son affaire au milieu de terrain, n'est-ce pas Stéphane? Oui, ils empêchent les adversaires de s'imposer au milieu de terrain.
Il pousse le ballon, droit devant lui, plein axe. Ballon dans l'espace. Bien joué. Une demi-heure de jeu s'est écoulée. Nous voyons s'il arrive à passer. Merseyside Red est en train de terriblement souffrir. À ce rythme-là, je me demande combien de temps la défense va tenir. Non, il l'a un peu aidé à tomber. C'est joué directement. C'est à côté. Petite erreur de cadrage, Stéphane, non? Oui, mais espérons qu'il aura l'occasion de se racheter plus tard. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel? Jera. Interception. Tacle appuyé. Jera. Attention aux fautes. C'est le roi du dribble. Passe dans l'espace. Il va pouvoir percer. L'occasion jamais de compter le premier but du match. Encore une faute. Une longue balle vers l'avant. Belle tête. Joko. Ballon intercepté. Numéro 5. Un tir à mi-distance. Et un frappé manqué. Bel effort tout de même. Ça joue la corde. Une occasion peut-être. Non, le ballon passe largement à côté. Le timing est capital dans ce genre d'action. QL. Reese. Finement joué. Reese. Très belle interception. Sinclair. Là, il n'est pas tombé tout seul. Et ce carton rouge va compliquer nos affaires. East London est en supériorité numérique. Et je doute qu'ils ne s'en plaignent. Lutte aérienne acharnée. Bien dosé. Numéro 5. QL. Reese. En profondeur. Le gardien récupère le ballon. Pierce. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Merseyside Red 0, East London 0. Stéphane, que pensez-vous du match pour l'instant? On a pu voir des phases de jeu intelligentes et c'est un match tout agréable. Oui, de belles actions en effet. Les statistiques de la première période sont les suivantes. Merseyside Red multiplie les fautes aujourd'hui, n'est-ce pas Stéphane? Oui, il devrait faire attention de ne pas prendre de cartons inutiles. Le capitaine devrait rappeler ses joueurs à l'ordre. Oui, sinon c'est l'arbitre qui va s'en charger. Voici les meilleurs moments du match. Thank you.
Et l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Stéphane, des commentaires pour la deuxième période? Un petit but nous ferait le plus grand bien. Et c'est pas le moment de gâcher des occasions. Là, c'est propre. Une bonne balle. Il l'a poussée. Long dégagement. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel? Joe Cole. De faux. Quel jeu de jambes. Il part sur le côté. Il décide de centrer tout de suite. Et il joue en profondeur. Superbement joué. Finement joué. Upia. Cette action n'ira pas plus loin. Tacle impeccable. Esquive. Interception. Main là, c'est très net. Ça joue bien. Simple, mais bien. Ça pourrait donner une occasion. Ballon dégagé. Quel talent. Numéro 11. Canouté. Quoi, l'arbitre n'a rien vu? Dégagement d'un défenseur. Ils ne parviennent pas à passer. Green. On joue très long. East London ne donne pas l'impression de vouloir se lancer sans réfléchir dans la bataille, Stéphane. Les deux équipes s'observent pour l'instant. C'est l'égalité. Et personne ne semble vouloir prendre des risques. Merseyside Red contrôle le ballon. Puel. Merseyside Red a le ballon dans les pieds. Nous jouons maintenant depuis 60 minutes. Reese. Ah, c'est dommage pour le passeur. Si c'est. Joe Cole. Ça joue bien. Sinclair. Long ballon. Quelle bataille. Un bon ballon. Ça semblait bien parti pourtant. Ballon dans l'espace. Ça soulage. C'est une touche. Reese. Centre rasant. Ballon dégagé. La défense est omniprésente sur le terrain. C'est un atout considérable pour cette équipe. Canouté. East London cherche une solution. Quel dribbleur. Tacle glissé. Upia. Oula, que c'est dangereux. Canouté. Tacle incisif. Gerrard. QL. Merseyside Red a mangé du lion pendant la pause, non? Oui, sa tactique est en place. Les joueurs commencent à bien cerner l'adversaire. Ils avaient bien construit leur action. Tout à fait. Jolie tête. Reese. Il contrôle le ballon. East London. C'est mieux circuler le ballon qu'en première période, non Stéphane? Oui, les passes sont plus précises, mieux ajustées. Mais il a raté la cible. Oui, il doit être déçu. Une tête bien appuyée. Merseyside Red domine, mais n'arrive pas à se défaire complètement de son adversaire, Stéphane. Oui, mais dominer n'est pas gagné, Cyril. Numéro 11. 75 minutes se sont écoulées depuis le début du match. Interception. Il frappe en première intention. Une longue balle vers l'avant. Lutte aérienne acharnée. Merseyside Red vient de jouer la première moitié de la seconde période. Verdict, Stéphane? La tension monte et je crois que les dernières 22 minutes vont être passionnantes. Gerrard, pousse retiré dans le mur. Joe Cole. Ballon intercepté. Numéro 11. Tacle appuyé. Encore une faute. Et on gagne du terrain. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel? Cette action n'ira pas plus loin. Sinclair. Ballon à gauche. Ça sort.
Ça soulage. Lutte aérienne acharnée. Superbe contrôle. Bonne prise de balle. Ballon haut. Pierce. Gera. Bien joué. Numéro 5. Numéro 9. Numéro 9. Esky. Carragher. Ils ont 4 joueurs dans l'axe. Attention, la tête. Reste à côté. Je crois qu'il a mal jugé la distance. Eh oui, c'est bien possible. Bien joué de la tête. Numéro 11. Joe Cole. Contrôle impeccable. Finement joué. Cissé. Cissé. Numéro 11. Attention aux fautes. Bonne frappe. Il intercepte le ballon. Gera. QL. Passe dans l'espace. Il a armé une frappe. Coup de sifflet de l'arbitre. Prolongation. Stéphane, votre commentaire sur ce match ? La défense est parfaitement au point et rien ne passe. Nous assistons à du football intense et passionnant. Et ça, forcément, nous, on aime. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de la première mi-temps de la prolongation avec but en or. Eh bien Stéphane, alors que les deux équipes entrent dans la prolongation, laquelle possède les plus gros atouts pour gagner ce match ? J'aurais du mal à pronostiquer, mais tout semble possible. Et c'est vrai, d'autant qu'un seul but suffirait à décider du vainqueur. Numéro 5. Il arrive dans la surface. Ça va sortir en touche. On s'organise. On joue côté gauche. Upia. C'est dommage pour le passeur. Sinclair. Long dégagement. Gera. Carragher. Numéro 2. Upia. Il va devoir contourner cet adversaire. Upia. Diomède. Il va centrer. Le contre. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel ? Gerard. Diomède. En profondeur. Un centre. Reprise de la tête. Bien tenté, mais pas de réussite. Et pourtant, tout le travail était fait. C'est vrai, c'en est fallu de peu. Une des équipes fait entrer un joueur frais. East London a visiblement l'intention de changer de tactique, Stéphane. Je le pense. Le but de ce remplacement est de donner un nouveau souffle à l'équipe. Lutte aérienne acharnée. Numéro 11. Cissé. Ballon dans l'espace. Un long ballon aérien. Defoe. On joue très long. Dans les bras du gardien, impeccable. Ballon bien gagné. Ça semblait bien parti pourtant. Il intercepte un beau ballon. Upia. L'arbitre siffle la mi-temps dans cette prolongation. Ainsi se termine la première mi-temps de la prolongation. Il était temps que cette mi-temps se termine. La tension est palpable ici. Oui, effectivement, ici tout le monde semble tendu. Les deux équipes se retrouvent face à face pour la deuxième mi-temps de la prolongation.
numéro 11. Sofiane. Oh, il l'a un peu aidé à tomber. La frappe. Et ça passe à côté. Il aurait pu faire mieux là, Stéphane. Oui, mais ça ne sera pas sa dernière occasion. De la tête. Interception. Tacle dangereux par derrière. Carton jaune. Long, long ballon. Et il frappe. Le gardien s'interpose. Gérard. Diomède. Ça joue bien. Numéro 7. Diomède. Numéro 9. Ballon dans l'espace. Ça progresse. Il a fait du bon boulot. Ballon dégagé. Un seul joueur aura le ballon, mais lequel? Sinclair. Un bon ballon. Il aura peut-être plus de chance à droite. Sofiane. Diomède. Numéro 7. Le ballon lui colle au pied. Il jette un coup d'œil. On joue côté gauche. Cissé. Numéro 7. Effectivement, il a eu du mal, mais c'est un corner. La défense doit impérativement rester concentrée. Merseyside Red. Corner côté gauche. Revoyons l'action. La règle est implacable. Le but en or décide du vainqueur du match. Merseyside Red s'impose grâce au but en or. Un commentaire, Stéphane, avant de repartir? Oui, je repars très impressionné et j'ai franchement envie d'en voir plus. Alors à la prochaine fois pour le prochain match. Découvrons les statistiques de fin de rencontre. Merseyside Red a accumulé un nombre impressionnant de tirs cadrés, n'est-ce pas? Oui, et espérons qu'ils parviendront à conserver ce rythme offensif pour le prochain match. Et nous allons devoir rendre l'antenne, mais pas avant bien sûr d'avoir remercié Stéphane Guivarch pour ses analyses pertinentes. Merci Stéphane. Tout le plaisir était pour moi, à bientôt. Ici Cyril Linette, votre commentateur, mais ne partez pas bien sûr sans avoir jeté un coup d'œil au grand moment de cette rencontre. À bientôt. À très bientôt.